Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à la découverte du fonctionnement des salles de cinéma en France. Pour l'année 2019, le CNC a répertorié 746 films inédits, soit une moyenne de plus de 14 films en sortie chaque mercredi. L'exploitant est face à un défi à ne pas rater, choisir de quel film sera composée sa nouvelle semaine cinématographique. Je reprécise une nouvelle fois que tous les cinémas ont un fonctionnement différent. Ce que je vais dire ici ne s'appliquera peut-être pas intégralement pour une autre salle. Un exploitant va avoir trois moyens de découvrir les films avant leur sortie en salle. Tout d'abord, les visionnements. Généralement organisés sur 1 ou 2 jours, on peut en trouver à travers tout le territoire. Ils sont organisés par des associations, qu'elles soient régionales, départementales ou nationales. Sur ces journées professionnelles, on a la possibilité de rencontrer les salles voisines, mais également de rencontrer des professionnels liés au film que l'on va voir, que ce soit un réalisateur, une équipe du film, un distributeur ou autre. Grâce à ces journées, on va pouvoir profiter de 3 à 5 films par jour. Pour certains films, nous avons la possibilité de voir directement avec le distributeur afin de recevoir un lien de visionnement. C'est donc presque systématiquement un visionnage sur un ordinateur, avec dans un coin de l'image un timecode qui défile, et de l'autre côté, notre nom en grand, tout ça pour éviter le piratage. Il y a beaucoup de festivals de toute taille organisés un peu partout en France à destination prioritaire des professionnels. Certains sont sur un genre ou un continent bien défini, par exemple le Festival du cinéma asiatique de Vesoul ou du cinéma américain à Deauville, ou bien encore le Festival du film d'animation de Annecy. Parfois, le festival est plus généraliste, le plus connu en France étant bien évidemment le Festival de Cannes. Et si tout exploitant a techniquement la possibilité d'aller à Cannes grâce aux accréditations professionnelles, notez bien que tout le monde n'y va pas parce que vraiment, dormir à Cannes, ça coûte le prix de 2 reins. Avec ces 3 possibilités, nous avons vu une petite proportion de films, mais certains restent inaccessibles et ne pourront pas être vus avant leur sortie en salle, notamment les gros films les plus attendus. Celui-là par exemple, si Alexandre Astier passe par là, je veux bien un lien de visionnement. Mais parmi ces films non vus, certains restent une évidence, que ce soit de par le réalisateur, le casting ou bien encore le sujet abordé. Vous vous doutez bien par exemple que nous n'allons pas avoir la possibilité d'avoir un lien de visionnement pour le prochain James Bond, pour autant il sera à l'affiche dans beaucoup de salles. La programmation d'une salle va dépendre de la politique de programmation définie par le cinéma, si toutefois il y en a une. Certaines salles ne programmeront que des films grand public en version française, là où d'autres vont préférer la version originale et des films plus art et essai. D'autres encore seront entre les deux, programmant à la fois du grand public en version originale lorsque c'est possible, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas, mais projetant également des films plus d'auteurs. Un grand multiplex sera le plus souvent dans la première description, quand un cinéma Utopia par exemple sera dans la deuxième. Pour ma part, en cinéma mono-écran, je suis dans la troisième. La sensibilité et les objectifs d'un exploitant ou d'un programmateur sont indissociables de la programmation et permettent souvent d'offrir le caractère unique ou pas à une salle de cinéma, en choisissant par exemple de défendre un tout petit film, ou à l'inverse, en décidant de ne pas projeter un autre film. Autre élément faisant entièrement partie de la politique de programmation, les spectateurs. Il revient à chaque exploitant de connaître au mieux ses spectateurs afin de répondre le plus possible à leurs attentes, tout en essayant de garder une place pour éveiller la curiosité de ce spectateur et essayer parfois de le sortir de sa zone de confort. Dernier point non négligeable, l'accès aux films. Une fois notre liste idéale établie, reste à savoir si nous pourrons les avoir. Mais ce sujet étant assez vaste, nous le traiterons dans une prochaine vidéo. Comme évidemment je ne peux pas décrire l'ensemble des cinémas de France, on va appliquer ces quelques réflexions à ma propre salle. Grâce au travail de plusieurs associations, je vais régulièrement dans des visionnements et je participe également à quelques festivals. Pour les liens de visionnement, je m'en sers relativement peu. Ils sont par contre pour moi indispensables sur une catégorie bien précise, le jeune public. Aucun programme pour le tout jeune public ne sera programmé dans ma salle sans avoir été vu au préalable. C'est un public pour qui il faut être particulièrement attentif et il m'est déjà arrivé de ne pas programmer un film parce que je n'avais pas pu le voir avant. Ma sensibilité est très présente dans ma programmation, aimant particulièrement le cinéma d'animation et le cinéma asiatique. Ce sont des films qui vont se retrouver très souvent dans ma sélection. Je déciderai parfois de mettre en avant un film dit fragile pour lequel j'aurais eu un vrai coup de cœur lors d'un festival. Un film fragile est un film qui aura une faible communication lors de sa promo et qui va avoir une toute petite sortie,
moins de 80 copies quand une comédie française attendue sera entre 300 et 500, et que le dernier Star Wars, lui par exemple, est à plus de 700. Je sais d'avance que ce film ne fera pas le meilleur nombre d'entrées, mais ça ne m'empêche pas de le projeter au meilleur créneau dans l'espoir qu'il rencontre son public. Et c'est d'autant plus valorisant lorsque c'est le cas. Et enfin, je reste attentive aux goûts et aux demandes de mes spectateurs, qu'ils soient fidèles ou occasionnels. Ainsi, sur mon programme, on retrouvera des films pour lesquels je n'ai pas forcément d'affinité, mais qui, je le sais, plairont à une partie de mon public. Une fois tous ces films vus et sélectionnés, il est temps de contacter les distributeurs afin de savoir lesquels nous pourrons avoir. Mais ce sujet étant très long, nous l'aborderons dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.